Salut mes barbus, bienvenue dans la taverne, bienvenue sur Total War Coliseum, je suis Bramro et je suis heureux de vous accueillir sur votre chaîne francophone dédiée au Total War. On se retrouve aujourd'hui pour partager 2 heures de notre temps respectif. Alors oui, j'ai pas mis la cravate, je l'ai il y a pas très longtemps, bon, enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. Mais aujourd'hui, on se retrouve sur Total War Warhammer 3, et aujourd'hui c'est du plaisir. On a décidé, aujourd'hui, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tralala. Tout ce qui compte, c'est le plaisir. Le plaisir du jeu, le plaisir de l'univers Warhammer, le plaisir. Donc sans plus attendre, retournons tout de suite dans le jeu. Petit écran noir sympathique, hein, forcément, la carte graphique qui déjà est aux abois alors qu'on n'a pas commencé à jouer. Aujourd'hui, on se retrouve après notre cuisante défaite avec Costaltine, où on s'est fait retourner. Et bien aujourd'hui, on se lance avec Enkari, serviteur de Slaanesh. Le séducteur de Slaanesh, attention. Bon, on sait pas trop qu'est-ce que c'est cette bestiole-là. Grosso modo, c'est un gardien des secrets qui aime pas du tout les hauts-elfes. Donc dans le lore, il va très très souvent taquiner les hauts-elfes. Et voilà, bah, du coup, on va se lancer là-dessus. Donc, relations diplomatiques plus 20 avec toutes les factions. Tribu de vassaux plus 50%. Pourquoi pas. Gain d'expérience plus 50% à chaque fois qu'une nouvelle faction est affrontée. Donc, ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. Coût de séduction des unités moins 25% parce que, avec Slaanesh, on ne recrute pas. On séduit. Laissez-vous tenter. Et commandement ennemi moins 4 en région locale. On est en très difficile, en normal. On y va. On apprécie. Et là, je me tais. Alors je lis d'abord. Slaanesh, le dieu du chaos du désir, est le plus jeune des puissances de la ruine, mais a le potentiel de les éclipser tous. Il est le prince du chaos et le seigneur des excès. Ses serviteurs incarnent ses caractéristiques à la perfection, et personne aussi bien que Enkari, l'archi-tentateur. Sa recherche de l'esquis l'a conduit du mauvais côté du Maelstrom. Cela n'inquiète toutefois pas le gardien des secrets, car un être tel que Enkari trouvera toujours des distractions. Cela n'inquiète toutefois. Alors je pense que c'est pas par, mais bon. Je peux toutefois peut-être offrir un prix plus élevé afin de tenter l'archi-tentateur. Tentons la tentation. Je me ferai un chemin à travers la brume parfumée de son palais, tâchant d'ignorer les cris de tourment. Les négociations s'annoncent difficiles. Ah, on va voir ça. Le chagrin de l'ours. It was in the palace of ruin I found Nakari, the keeper of secrets. His den of excess was no place for mortals. With every step it whispered promises of all I desire. Like others before me, my soul yearned to be ensnared. But I knew if I succumbed here, he would own me for eternity. I made my revelations quickly before my senses gave way. Yet Nakari found the tale of Bellacor and Ursun tiresome. It was a secret he kept already. As my mind clouded, I made a final gambit. I would guide him through the maelstrom to the bear's deathbed. Yes, tempting. The sorrow of a dying god, yours to treasure. A treasure to cherish. I want it. You will give it to me. One drop of Ursun's blood. That is my fee. Advise me. Je suis désolé, je viens de voir que vous aviez la pub. Et d'exploiter la douleur d'un dieu mourant, collecter l'angoisse d'Ursun et la chérir pour l'éternité. Oui! On va faire ça! Alors, palais de la ruine.
Oui. Oh, on va se calmer. Ne tardons pas, architentateur. Il semble que le jeu divin se poursuit et que Korn prépare son prochain coup contre votre maître, car il méprise le prince du chaos par-dessus tout. Des serviteurs du dieu du sang encerclent votre capitale. Ah. Vous devez agir rapidement et reprendre les terres des fragments au crâne rouge. Leur douleur vous offrira une maigre subsistance, mais c'est une étape nécessaire pour atteindre des fruits plus mûrs. Ah oui ? Plus au sud se trouvent de meilleures proies, des mortels qui vénèrent les puissances de la ruine. Infligez-leur délices ou douleurs, selon votre bon plaisir. Si vous traversez la mer du Kraken et atteignez Norska, vous trouverez bien des mortels à tenter et tromper. Toutefois, il est risqué de s'étendre loin au sud, exposant ainsi votre flanc à la menace de Skarbrand, le plus puissant des buveurs de sang de Korn. Le dragon éternel forme une barrière qui le gardera à distance pour l'instant, mais ce n'est qu'une question de temps avant que vos armées s'affrontent. Il y a beaucoup à faire, ornementé. Vous avez besoin d'un vaste fief pour entretenir les armées divines indispensables pour pénétrer dans le royaume du chaos. Commençons. Ah. Alors on commence alors. Les dévots. Les armées slanesh peuvent capturer des dévots au cours des batailles et lors du culte du chaos. Ah ouais? À créer des cultes du chaos, à lever des armées de... pour les réjouissances. Les disciples de Slanesh sont tristement célèbres pour leur bacchanal. Ah ouais. Dons Slanesh peuvent propager des dons Slanesh sur les personnages ennemis. Oui, c'est vrai. Séduction. Séduit. Et le jeu d'hiver. Et très bien. Les serviteurs du dieu du sang vous encerclent, ornementés. Frappez vite. Oh, on va avoir une tentatrice. Très bien. Bon. Il s'offre à nous. On va y aller. Qu'est-ce qu'on a à nous? Des démonettes. Des maraudeurs de Slanesh, le Knut. C'est. Ils sont pas persarmus. Et ils tapent 32. Ah, ils ont meilleure défense. Et un meilleur bonus de charge, ok. Des chars écorcheurs, des rabatteurs. Et une bête. Ah non, des bêtes de slime. Oui. Palais de la ruine. Oulala, déjà trop de choix. Déjà trop de choix pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ah, il y a encore le système. On peut transformer la brèche dimensionnelle en bastion. Mais le portail. Ça permet pas de se téléporter, ça? Bon, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On voit des gargouilles, des rabatteurs. Des knouts. Les knouts. Pliés de chair. Oh oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Avec ça en bâtiment? Ah oui, je... Croissance. Croissance. Est-ce qu'on fonce direct sur la croissance? Ou est-ce qu'on va chercher direct de la cavalerie? Complexe. Je pense qu'on va faire ça, qu'on va gaspiller les 900 parce qu'après on les... Ah, il y a une durée de recrutement, d'accord. Il faut séduire les gens, mais ça prend du temps à séduire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La séduction, vous savez, c'est tout un jeu, il faut savoir. Regardez. Non, on va la faire. Comme ça, on va pouvoir admirer les unités. Comme ça, la première partie, c'est la neige. On va essayer de voir un petit peu comment que ça se passe.
Et moi, où il a un fouet? Oh, ça doit être SM, tout ça. Armée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on va commencer le déploiement tout de suite. Alors, bonjour. Ah oui, donc ça, c'est les maraudeurs. Au lieu d'avoir une épée, ils ont gentiment un bras bizarre. Ok. Ok pour les maraudeurs. Les knouts, montrez-moi les knouts. Ah oui, ils ont des fouets. Ah oui, ils ont des fouets. On est des monnettes, on connaît, hein. C'est des trucs bizarres, bon. Pas trop envie de s'y frotter à ces choses-là. Les bêtes. Les bêtes qui sont très très rapides, hein. Muscles scorophiques, qu'est-ce que c'est? Les attaques de cette unité plongent l'ennemi dans la stupeur, réduisant sa capacité à attaquer et à se défendre. Ah, ça c'est fort en contournement. Et les chars. Chars écorcheurs. Très rapide, vitesse 100. Et Enkari, pardon. Enkari qui est... qu'est-ce que c'est? C'est un lanceur de sorts, ça? Ouais, lanceur de sorts, perce armure. 60 de défense en mêlée, 70 d'attaque. Ouais, il va quand même aller en première ligne, le monsieur, hein. Le monsieur ou la dame, on sait pas trop. Ah oui, les rabatteurs. Bah, les rabatteurs, c'est des maraudeurs sur des bêtes, hein. Sur des bêtes de Slaanesh. C'est aussi très rapide, hein. Allez, on va tenter. On va se faire un petit déploiement classique. Donc les boucliers devant, s'il vous plaît. Avec un petit peu d'espace. Entre chaque unité. Enkari devant. Les démonettes pour passer à travers. Et ensuite, tout ça, on va l'utiliser en cavalerie. Donc, eux sont un peu moins rapides. Hein. Ouais, 95. On va plutôt les garder ici. Et on viendra fermer la boucle. On s'avance un petit peu. D'accord. Les bénédictions de Slaanesh se feront de plus en plus nombreuses à mesure que les ennemis tomberont devant vous. Très bien. On continue de s'avancer. La cavalerie qui se met en place. Les bébêtes aussi. Est-ce qu'on a la portée pour lancer des sorts? Non, pas encore. Ah, les maraudeurs sont déjà un peu plus lents, hein. Même plus lent que les démonettes. Qu'il faut savoir faire un petit peu attention. On prépare, on a le temps. Voilà, Enkari va pouvoir commencer gentiment. Ah, il a toujours pas la portée. Voilà, un petit coup de fouet, hein. Hop, hop, hop. On va attendre de voir s'ils veulent bien s'approcher. Les chiens de guerre, les sanguinaires et des sanguinaires. Ils veulent pas. Ok, bon ben. Toi aussi, hein. Allez, go. Va aider. Oh là là. Ah oui, les sanguinaires, ça tape, hein. Oui, les sanguinaires, ça tape. Boum! Allez, recule. Et viens là, toi. Avant que cela ne décède. Allez, une petite charge là-dedans, vous. Voilà, ça c'est bien. Petite charge dans les sanguinaires là, peut-être. Voilà, c'est bien quand ça passe à travers comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, cause des dégâts aux combattants. Ah oui, ils ont pris un peu cher ceux-là. Hein. On va en discuter entre nous. On va essayer de prendre des mesures.
Ah oui, les chars, du coup, ils passent à travers tout avec leur masse, il faut qu'ils chargent en frontal presque. Bon, on va vite virer cela et mettre des knouts à la place, je pense. On va avoir un petit peu une ligne qui tank, parce que sinon... Ils ont pris cher très très vite. Après, bon... Alors, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne, ok, on peut dévorer les prisonniers, les séduire, donc ça fait plus 20 de dévots. De la faveur. De la faveur, hein. On va prendre de l'argent au début. Ah oui, et on gagne une tatatrice. Yes! Allez, viens. Scipio. De nouveaux suppliants sont nécessaires pour renforcer votre armée pour les nombreuses guerres à venir. Oui, on s'en occupe, on s'en occupe. Allez, go. Va là-dedans. Oui, ça c'est bon. Alors. On va plutôt aller chercher attaque éclair direct avec lui. Hein. Et en recrutement, on va plutôt prendre les knouts. Ah, on peut pas prendre deux knouts. Ah, on a de l'anti-large, c'est peut-être mieux, hein. Pour sécuriser les flancs. Ils sont toujours à 32. Ah, ils ont une meilleure défense de mêlée que les maraudeurs. C'est rigolo. Bon, très bien. Les recherches. Oh. Flagrance de libertinage déviant. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Corruption, ouais. Très bien, on s'en fout. Et ça? Un rasin, oui. Un coup de séduction moins une 10%, c'est pas mal ça. Condement à la défense contre corne. Ça peut être bien. Ah, coût de construction de bâtiment, ça peut être bien aussi. Oh, croissance. Eh bien, passons. Super. Rendez-le à Slaanesh, très bien, on s'en occupe. Et les dévots du coup. Amassez vos dévots en attaquant, pillant, mettant sac. Plus votre autorité. Plus votre autorité et votre revenu sont élevés, plus le nombre de dévots se ralliant à votre cause sera important. Exploitez-les pour établir des cultes. D'accord. Exigez la vassalisation de votre faction et invoquez des armées de 10. Très bien. Go! Cela, on va les laisser un petit peu en retrait quand même parce qu'ils ont pris plus que cher. Une défaite là-dessus? Ah oui. Très bien, mais voyons ça. Ah non, c'était pas le bon bouton. Ah oui, non, mais les boutons. Bon. Un bouton par-ci, un bouton par-là, un bouton par-mi, un bouton par. Bon. Vous savez que moi, c'est complexe. Quand il y a trop de. C'est complexe. Alors peut-être que contre eux, ce sera pas la même s'ils ont la résistance contre les charges. Mais grosso modo, on peut envoyer plutôt les mobiles d'un côté et l'infanterie plutôt de l'autre. On va pouvoir... c'est quoi le chemin le plus rapide? Ouais, on va venir par là, hein, du coup. Oui. On va plutôt se mettre comme ça du coup. Hop. Avec Enkari et du coup la nouvelle unité. Essayer de canaliser la magie parce que 10 c'est un peu pauvre. Ah bon, mais 10 c'est bien. Hein.
Ah, encore un céphalopode, ça, hein? Si, si, c'est un céphalopode. Et bon, ben ça, tout ça, on va plutôt l'envoyer là même. Hein. On remarque que c'est tellement rapide qu'on peut les laisser là pour ensuite les envoyer de l'autre côté. Hein. Et toi, tu vas rester ici, tout doux. Allez, go! Là-haut, direct. Rien savoir, moi. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Partez directement ici. Est-ce que je peux... S'il te plaît. Non. Voilà. Ah oui, Enkari. Oh là 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 là. Il a l'intention de pas se laisser emmerder. Schlack! Oh, c'est quoi ça? Ah, tu peux pas? Les démonettes, allez-y. Aidez-la. Allez, go, go, go. Qui fait rien. Oh bah allez-y. Hein. Arrêtez de rien faire. Ça c'est pénible, hein. S'il vous plaît. Faites quelque chose. On arrête de nous mettre des gens qui d'un coup s'arrêtent de bouger quoi. C'est d'un pénible. On en est où là-haut? Ça arrive. C'est quoi ça? Guerrier du chaos de corne. Armure. Ah oui, d'accord, ils sont pas du tout. Donc on prend ça et on fonce. Qui viennent. Allez, ça c'est bon. Voilà. Ça c'est pourquoi du coup, dégâts aux combattants. C'est bon, c'est pris? Allez, chargez-moi ça. Ah oui. Contre nous. Oh là là, il passe à travers les chars, c'est tellement beau. À recharger dans l'autre sens, s'il vous plaît. Oh là 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 là. C'est qui fuit? Ah ouais? Non mais pour... Ah ces maraudeurs, ils vont être... vont être inferno ces maraudeurs. Et vous? Sinon reculer en fait. Oh là là, la caméra. Les bêtes. Ouais, il faut charger hein, parce que si les démonettes de Slaanesh ne chargent pas, ça peut pas marcher. Ah, ils auront pas l'élan. Non, ils auront pas l'élan. Allez vous mettre en bas plutôt. On en est où là? Ah, c'est un peu. Oui. Ça coûte un peu. C'est bon, le moral est cassé. On a perdu un maraudeur, hein. Oh là là. Quelle violence.
Et puis les tours, mon Dieu, les tours font du dégât de... Let's go. Allez, tapez-le, voilà, c'est pas mal ça. Il se relève, hein. Voilà, il a toussé. Il a toussé, il a fait une rupture d'anévrisme, direct. Allez, salut. On a perdu un maraudeur. Encarry quand même qui est au corps à corps se débrouille, hein. Ah, c'est sûr, certain que je gère mal là, quand même. Oh, ça, c'est bien, ça. On veut pas piller, on veut qu'occuper. Ça, c'est très bien. Une petite potion de célérité pour une carie, ça peut être bien. D'accord. Très bien. Je vais faire comme tu dis, vieil homme. Alors, ça peut être bien ça. Même sûr que c'est ça qu'il faut viser, hein. Pense. Et lui, soit on lui met de l'entraînement. Non, on va direct le bout. Prends ça. Ouais, super. Qu'est-ce qu'on gagne ici? Revenu croissance. Ok. Sympa. On a 268. Attaque 32. Attaque 26. Ouais, il y a moins d'attaque, mais franchement, je préfère avoir un peu plus de défense sur la first line. Vraiment, eux les best en défense, hein. Y a pas à chercher. Y a pas à chercher midi à 14h où je peux vous sortir toutes les expressions du monde, hein. Y a pas à chercher un poil sur le torse d'un barbu. 44, bon, il faut qu'on. Y a qu'un faucon. Mettre juste là. On va même se mettre en campement. Ah, ça ne booste pas plus que ça la régène, donc on va pas le faire. Amélioration de bâtiment. Ah, on peut avoir des rabatteurs, des gargouilles. Et avoir des rabatteurs en knout. Dégâts empoisonnés. Voilà la différence. Bon, c'est pas grave, fais-le, on verra après. Donc on pourrait peut-être virer même eux, hein. Ça coûte 100. Le rabatteur coûte 150, ouais. On est... On va pas le prendre tout de suite. On va essayer de jouer un petit peu safe sur les finances. Parce que je veux de l'argent pour développer. Très bien. D'accord. Ok. Ah oui, mais recruter 20 unités, c'est... Là, il y a 10 unités, par contre. Ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'on va garder la même strat. Ouais, ils ont plus de guerriers du chaos. Donc, il va juste falloir... Une guerrier tank, tank encore mieux, quoi. Ah mais c'est un peu plus ouvert aussi. Mais on va faire pareil, c'est-à-dire on va plutôt partir par ici, envers la cavalerie là, ou même faire le tour carrément. Essayer de prendre à revers au maximum.
canaliser, s'il te plaît. Ah, c'est mieux. Ouais, je pense qu'on peut faire ça, hein. C'est-à-dire, on va plutôt partir comme ça. Entrer ici, aller là, et on enverra la cavalerie tout de suite faire le tour. Donc, on va mettre lui au milieu. Voilà, la first line, comme ça. Avec Enkari bien devant. Juste derrière, les démonettes en renfort. Et la cavalerie qu'on décrochera direct pour aller. Voilà. T'es ready? Ah, c'est juste pour augmenter la portée du sort, donc c'est pas très intéressant. Allez, allez prendre ça. C'est pas mal. J'aurais dû le claquer bien avant. Mais bon, j'avais pas pensé. Allez hop. Il va gentiment commencer à nous faire du dégât aussi. Ils vont arriver, mais ils sont un peu plus lents. Donc on va essayer de prendre les points avant qu'ils arrivent. Ils vont mettre du temps, hein. Pour mettre du temps à venir. Alors remarque, attends, je préfère plutôt utiliser ce sort à elle. Qui sera plus efficace dans la durée, je pense. Voilà, là pour l'instant ils savent pas trop comment se gérer. Allez, go. On veut pas d'inactif là. Il faut que ça tamponne. Allez go, on passe au suivant. Je vais m'attraper celui-là. Enkari, c'est pareil, hein. Moi je veux pas que tu. Ça va pas. Allez, va là-dedans. Ça prend du dégât quand même, hein. On va juste lui enlever ce point-là et ensuite on va essayer d'aller contourner par derrière. On peut faire arriver à la cavalerie en sandwich. Ça peut être un peu plus intéressant. Allez, va là. Si toi tu sais pas quoi faire, va là. Toi aussi. Plus de magie. Allez, les bêtes. On va envoyer les bêtes prendre ici. On va envoyer eux prendre ici. Et les chars, on va commencer à les déployer pour aller dans le dos. Cinquante-six kills, c'est pas énorme, hein. Allez, allez, tout le monde a son petit move. Enkari, tu peux taper partout, hein. Tu sais qu'il fait rien là. Allez, venez là, on va contourner. Aussi, tu fais rien? Allez, des monnettes. On va les mettre en place et ensuite. Ça, c'est bon. Lui aussi, il est en place. Allez, les chars. Ramenez-vous. On va attaquer
les charges. Non, on n'arrive pas à prendre. C'est pas grave. Venez là alors. Ils ont presque pris. Allez, go, go, go! Allez, venez là, vous aussi. Ah, on a les démonettes qui sont en train de décéder, là. Allez, les chars. Est-ce qu'elles arrivent les bêtes? Ouais. Allez les chars. Ouais, ils passent à travers tout, c'est fou hein. Ah oui, les chars ils sont monstrueux les chars hein. Nkari, va faire ton duel contre lui là. Vas-y. Toi, tout le monde est décédé là? Ça c'est bon. Ça c'est tout cassé. Envoyons les bêtes contre lui. On a un peu perdu là, c'est vrai. On a un peu perdu, mais c'est quand même plaisant. Et hop, on va chercher du. On va chercher de l'XP. Ah, dommage. Allez, la dernière petite charge. Pour le plaisir. Ah, mais ça charge pas. Ah, mais d'accord, ok. La déception. La déception. 88 kills seulement. Ouais, c'est peut-être pas la bonne idée du coup de jouer comme ça. Ah, il faut s'adapter. Hein. On a perdu une des monnettes. Très très bien. On peut la recruter notre des monnettes. Tout de suite. Oui, on peut reprendre des monnettes. On va se la prendre. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre la corruption. Corruption plus 1. Alors, reflet de brume pour la vitesse. Oh, elle a perdu le destin tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a ici en bâtiment? Croissance et reconstitution. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Donc il nous reste la montagne sanglante à les récupérer et on aura fini quête. Ouais, ok. Pourquoi il y a une peste là? Il y a le logo de la peste? Parce que, ça y est, faut partir. Fuyons! Fuyons. Il faudrait qu'on se régène un tout petit peu. Ça change rien. Donc mets-toi en embuscade. On a une rébellion ici. Oh, ça devrait aller, je pense. Darius, seigneur de l'honneur. Oui. Oh là 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 là, ça y est, on reçoit des. D'accord. Une fois invoqué, votre armée de fanatiques sera plus motivée que jamais à étendre la domination de Slaanesh par la force.
Oui? Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Invoquer une armée de 10. Ça alors. Ils ont que 8. Mieux les avoir en renfort, ceux-là, non? On va les mettre là. Mais j'aurais bien aimé me refaire un petit peu quand même. Du coup, j'aurais pas dû l'écouter. D'accord. Ah oui, là, il y a un peu plus de monde. Ah, ça doit se jouer, hein. Ça doit se jouer. On va rester bien paqué. On va essayer de contourner que la cave reste au maximum avec les unités de ligne. Justement, déconcentrer au maximum les formations ennemies. On va pas la jouer comme tout à l'heure. Et par contre, les renforts, eux, iront prendre les points et emmerder un petit peu le reste. Mais nous, on va plutôt rester paquet là sur le départ. On a le pendule en plus maintenant. Vraiment, on arrive à rester mobile sans se faire immobiliser. Les renforts arriveront de l'autre côté. Je pense que c'est. Là, ici, on. Là, ici, c'est pareil, il faut faire tout le. Ouais, non, c'est peut-être là le mieux. Qu'on fait. Et on va devoir se. Ah, on a perdu, dommage. J'aime pas cette map, elle va être un peu chiante. Les bêtes, on va les laisser en place. La cave, on va l'utiliser là. Et les chars, ils vont partir direct en avant-première. Sauf ça. Allez, venez vous placer là. Les chars aussi. Faites là. Combien? C'est 13. Ah, c'est beau. Ah, on a que 38 de réserve, donc on. Allez, dans les chiens directs. Faut casser cette tour-là. Elle est commandée par qui, la tour? Elle est commandée par ce point-là. Donc il faut qu'on monte. Rapidos. Vas-y, charge, 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 charge. Ne te fais pas bloquer. Allez, go. Chargez là-haut directement, vous. Allez, charge là-dedans. Reviens par derrière. Oh, ma cavalerie! Allez, chars, les chars, les chars. La cavalerie, reste pas là.
J'essaye de balancer ça pour voir. Ouais, bon. C'est que normalement, vaut mieux attendre. Non, mais bête! Oh là là. Excès de confiance. Ils sont où ça? Ils sont là. Emmenez-vous là. Je peux pas savoir. Oh mais chat! Tu peux passer ou tu peux pas passer? Ah oui, là. Ça pue, monseigneur. Attendez. Ils peuvent pas passer. J'ai perdu mes bêtes aussi? Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Allez, défonce-le lui. Toi, t'es en train de mourir. Je pensais que tu passais partout, mais non. Un génie, oui, je sais. Oui, je sais. Allez, prends le centre. Enkari revient dans la mêlée là. Mais c'est eux, ils font rien là aussi là. Hein. Allez, un petit coup de fouet. T'as pas de régène. Non, pas de régène. Pas de régène, pas de mana. Tout va bien. On prend le centre, on fonce sur les sanguinaires. Allez, go. Ah, c'est pareil, les monnettes elles bougent pas, y'a personne qui se bat là. On a peut-être perdu celle-ci, hein. Trop confiant. Allez, viens, il faut que tu viennes par derrière. Allez, vous. Un qui s'occupe de cela. Un qui s'occupe de cela. J'ai pas compris à quel moment je me suis fait bloquer tout. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'est mal passé. Oh, écoutez, hein, c'est en se cassant la gueule qu'on apprend. Hein. Pas toi? Allez, dans le dos, dans le dos. Ah, ça tape fort. Hein. Elle est où, elle? Elle est arrivée? Ah non, elle est bloquée là-bas. D'accord. Ah non, c'est des sanguinaires. Les chiens, plutôt. Ah, les tours qui font mal. Ah ouais, les tours, elles font trop trop mal. Elle est où elle? Elle est là. Je sais pas si c'est les tours qui vraiment m'ont fait si mal que ça, mais... C'est sûr, c'est que ça c'est pas... toi tu t'es reformé. Donc reviens par là plutôt. Allez, venez là.
C'est quoi ça? Des sanguinaires, des sanguinaires. T'as des sorts toi? Non, t'as pas de sorts. Ah! En train de prendre un point qui nous intéresse pas tant que ça. Allez, on a eux qui arrivent. Oh! Je pense pas qu'on la gagne. Hein. Allez, voilà. Allez, viens là, toi aussi. Un petit charge de dos. Viens là même. Ah, il y en a un qui a lâché. À corne. Les unités de corne, elles tapent très très fort au corps à corps. Et du coup, Slanesh aime. Peut-être Slanesh aime pas trop trop ça quand même. Même en bonus de charge, ça a pas l'air fou. Hein. 44 pourtant. On est en train de perdre le point. Allez, va dans le temps, toi. Go. Petite charge. Ah oh, c'est raté. Non c'est une jolie charge. C'est une jolie charge. Et recule. Vas-y, on était bloqué. On chargeait trop loin. Et tant qu'il y a des modèles, enfin voilà, si je lâche, la charge, en fait, ils vont y aller en marchant, quasiment. La charge est pas super efficace du coup, puisqu'il y a encore des modèles qui sont au corps à corps. Donc, ils n'y arrivent pas, quoi. Vraiment arriver à sortir de... du cac. Pour après relancer une charge. Et là du coup il est pas trop trop mal comme ça. Allez, il faut venir aider. Oh elle tient, elle tient. Allez allez, sortez-vous de là. Voilà, c'est pas mal. Voilà, bloquez-les. Et après, on charge. C'est pas mal. On se replace. Ah, peut-être qu'avec le cycle charge, on va s'en sortir. Hein. Bon, je pense qu'il faut quand même pas trop avoir d'espoir. Mais à ceux-là ils sont en effondrement. Allez, ça c'est pas mal. Ils viennent pas du coup. On va juste se préparer à charger mais en étant dans le. En étant dans le point pour le reconquérir. Et là la tour nous fait extrêmement mal. Hein. Il faudrait qu'on arrive à prendre ce point là, mais il vient le sécuriser donc. C'est la tour qui va nous tuer en fait. C'est la tour qui va nous tuer. Pénible. Hein. Un régiment entier ici.
Ouais, il reste caché là-bas. Il reste deux régiments. Allez, une petite charge et on s'en va. Voilà, une petite charge et on recule. Toi, tu charges aussi. C'est qui tire? Ah oui, c'est elle. Allez, va là-dedans. Ah, le dégât d'usure que mettent les tours, c'est... Quoi? Ils ont disparu? Non, ils sont... Hop! Allez, recule. Oh là 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 là, ces dégâts des tours. Ouais, c'est pas ultra passionnant, hein, mais bon. Il reste quoi? Il reste ce régiment-là. Le guerrier de corne. Et il y en a un autre là-haut. Après, il y a le héros qui était par là, mais qui était quasiment décédé. Oh, ils sont que deux, non! Bon. Je pense pas qu'elles tiennent. Ah, 90 secondes de recharge. Ah non, non, mais les lâche pas par contre, hein. Ah oui, si tu les lâches, t'es morte, hein. Enfin, vraisemblablement morte avant eux, hein. Voilà, ça c'est bien. Son effondrement. Allez, bien là-haut. Ah, ils ont mis des murs partout. Attends, on va quand même les finir. Faut qu'on trouve le héros. On leur vient là. Regarde, ils sont en train de reprendre, ils sont là-haut. Oh, ça serait tellement beau si... De vol. Ah là, c'est du vol, hein. Si on arrive à faire quoi que ce soit, c'est du vol. Garanti, 100%. Lequel des deux va perdre son moral en premier? Allez, ça c'est bon. Où est l'autre méchant? Voilà, ça c'est cassé. On va essayer d'aller par là. On va aller prendre ce point-là si on y arrive. Cette game de fou. Cette game de fou furieux là quand même. Allez bouge. Tu restes statique, tu meurs. Allez viens. Oh là 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 là. Fantastique. N'est-ce pas? Oh! Elle a été touchée, non! Dommage. Ah, dommage. Ah, ça aurait été beau. Ah, l'exploit! L'exploit! Ça aurait... On était à deux doigts de... Bon, ça reste un échec. Mais, deux doigts de la réussite... C'est quand même, Ah, là, je vous ai fait vivre un grand moment. Bon.
Oui, très bien. On va prendre le premier, hein. Allez, viens ici. On va aller se refaire une petite armée. Ah, il vient me chercher. On peut pas fuir. Bah autant pas lutter, hein, j'ai envie de dire. Un peu dommage, mais bon. Tant pis, tant pis. Ah, et ici on est assiégé, comme ça au moins. Qu'est-ce qu'ils ont? On doit quand même pouvoir s'en sortir là, je pense. On a les gargouilles pour aller emmerder les chiens. Alors on va tenter. Alors, on va peut-être se faire retourner déjà. Hein. C'est peut-être déjà la fin de la campagne Slaanesh, la campagne du plaisir. Et ça aura tenu toutes ses promesses. Je sais pas pour vous. Me faire taper dessus de cette façon-là et échouer au pied du podium. Ah mais quel plaisir. Mais si, voyons. T'as quoi toi comme ça? Ouais, ok. Ah si, 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 c'est du plaisir en barre là. T'as des drôles de... Oui, bah écoutez. Slaanesh, on a forcément de drôles... Non, c'est que moi. Oui, c'est que toi. Donc, d'accord, hein. J'accepte. J'accepte que ce soit que moi. Allez, go. Est-ce qu'on les laisse venir ou est-ce qu'on les invite? On va devoir les inviter, je pense, hein. Si on les invite pas. Alors, ça, c'est les sanguinaires. Les chiens sont là. Tu bloques la charge des chiens. Tu as quoi? Ouais, tu as pareil. Le consentement. Et on a vu quand même la puissance de la cavalerie, hein, parce que. Cycle charge. Relativement efficace, hein. À chaque élimination d'entité faisant partie d'une unité dont le moral est négatif. D'accord, ok. Par où ils vont venir, hein? Si ça vient par là. Ah, j'ai pas regardé cet écran-là dans le détail. Si je clique là. Ça c'est... Oui, non, du un héros. Donc, si je clique là, par contre. Là, on n'a plus le portrait du seigneur. Très bien. Ah, ils viennent pas. Ils viennent pas, ils viennent pas. On va devoir se préparer à une charge. Ah, du coup, il réapparaît pas. Très bien. Alors. Toujours pas. T'es quand même un peu lent comme garçon. Pour t'inviter. Voilà, petit coup de fouet. Allez, faut y aller. Faut y aller, faut y aller. Ah, la charge est pas faux folle, hein. Allez, on se retire. Ah, ils sont bloqués encore. Voilà, très très bien.
Voilà, les unités de corne, qu'est-ce qu'elles tapent fort. On va essayer de rester concentré au maximum. Pas là-bas, toi plutôt. Allez, balance-moi un petit coup de fouet juste là. Voilà. Allez, allez. Allez, ça vous les terminez. Allez, mettez-vous là. Petite charge ici. Allez, allez, allez. Génial. Hop, 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 hop. Voilà, remettez-vous là. Ah, mais y a plus personne. Qu'à taper lui, et on est bon. Comme ça, on n'est plus. On n'est plus assiégé, donc on peut recruter tout de suite. Pour recruter tout de suite. Je pense que deux voire quatre cavaleries, c'est quand même pas mal. Hein. Les rabatteurs de Slanesh sont quand même, je trouve, plutôt efficaces. Pour de la cavalerie légère. Arrêtez-moi si j'ai des conneries. Et il me semblait plutôt que c'était de la cavalerie légère. Donc, non, ça a l'air de bien rouler. Alors, 5%, non, non, oui. Mets-nous un peu de faveur, s'il te plaît. Oui, on va lever une armée. Agressif. Graine. Ouais, budget de séduction, on moque. Prendre l'agressif. Voilà. Et donc, je pense qu'on va partir direct sur deux knouts, deux machins, deux knouts, deux machins, deux machins, deux machins. Déjà, on en a pour 6 tours. Le palais du prince, c'est le plus près. D'abord ça. En recherche. On a pris la croissance, on va prendre... coût de construction, moins 15%. Et on y va. Ah, 6 tours de recrutement, c'est long. Mais ouais. Ah, je sais que certains auraient déjà dit restart, on recommence. Mais non. D'accord. D'accord. Ah oui. Comment on fait? Initier une réjouissance dans n'importe quelle province. Ok. Dans la fenêtre d'information de province. Ah, mais ça doit être ici du coup. Ah non, c'est ça. Alors, réjouissance. Ah, coup de recrutement, ça peut être bien. Ah, ben, coup de recrutement, alors direct. Et là, on annule tout ce qu'on a fait. Et on refait. Donc, on a dit. Oh, on a même ceux-là. Est-ce qu'ils sont meilleurs, ceux-là? Bon. Un peu plus cher, mais pas tant que ça, du coup. Ah, eux sont anti-infanterie. Oui, donc, on va faire d'abord deux comme ça. Deux comme ça.
Deux comme ça. Et deux comme ça. Et deux comme ça pour finir. Voilà. 5 tours. Ah, mais oui, non, mais. Vous savez, on peut. Faut profiter. Pendant ces 5 tours, on peut prendre le temps de se découvrir. De... Oh, 1900, par contre, je sais pas si on aura bien. Prendre le temps de découvrir Total War Coliseum, de découvrir Bramo, de découvrir plein de choses. Ah, c'est nous qu'on gagne! Yes! Ah oui, nous on fait pas ça, nous, hein. Ah! D'accord. Allez. Oui. D'accord. Ok, non mais très bien, très bien. Le jeu divin évolue en faveur de Slaanesh. Prenez-vous-en à ses rivaux qui vont connaître la véritable souffrance. Ok. Donc, toutes les factions de Slaanesh ont accès à des manifestations épivultantes. Très bien. On a droit à ça. Et on peut pas le faire encore. Très bien. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Je me souviens plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Palais des princes. Je pense déjà qu'on va peut-être se faire un petit peu de ça. Et après, ça aurait été bien d'avoir ce bâtiment-là plutôt. Donc, revenu croissance. Et défense. Attaquons Fétide. On va lancer ça aussi tout de suite. Et après, quand on aura fini le recrutement, on va le casser, on le fera ailleurs, ça. Je crois qu'on attendra d'avoir peut-être le palais des princes. Au rang 3. Allez, encore 3 tours. Je pense qu'en frontline, on sera pas mal. 6 unités de front. 4 de cavalerie. On peut peut-être aller se prendre 2 gargouilles. Pour aller chercher les mobiles. Pourquoi pas. Ah. Ah, Enkari est dispo. On va le changer, hein. On va te changer, toi. On veut notre seigneur légendaire. Donc dans 2 tours on est prêt. Et lui il m'attaque tout de suite, il a 20 unités. Est-ce que comment on fait pour séduire du coup? Zéro sur 2000. Mais donc on peut pas alors. Bon, refusons d'attaquer pour l'instant. Il va falloir que Enkari se dépêche. 2 tours de recrutement, il nous manque. Et de toute façon, on n'aura que 13 unités. Ouais, ça fait 23. Ça paraît léger quand même. Pour s'en sortir. Corruption élevée dans l'un. Le culte s'est manifesté dans l'un. Ok. Très bien, montre-moi. Ici, on peut faire un bâtiment du culte, c'est ça? Il est amusant d'observer la façon dont les êtres indifférents renient eux-mêmes les plaisirs des excès. D'accord. Octroyez un don de Slaanesh à un rival et regardez-le entreprendre son périple vers la soumission et l'extase. On va y réfléchir, mais quand même. Ah oui, d'accord, il faut 250, ça c'est mort. Il nous reste un tour. Il y a 13 unités, ouais, bon, ça peut-être que ça tiendra. On va finir notre petit recrutement et ensuite on va s'y aller gentiment vers Exux. Oh, d'accord. Oui, allez, vas-y. Ah non, c'était ça là. Et je me rappelle. Ah non, mais vous savez que moi, c'est compliqué. Il fallait signer un pacte de non-agression. Ben voilà. Ah, et là, du coup, on gagne. Ah oui.
Attendez. Si, c'est bon. Yes. On a 200... Ah oui, c'était 265, je crois. Donc on va aller au maximum, hein, je pense. Et qu'est-ce qu'on prend là? On avait dit deux gargouilles. Oui, prenons deux gargouilles. Ça nous permettra de gentiment... coup de prolifération du... Ça plutôt. Allez, et après on se fait... Et les Zeux, là, s'ils nous attaquent pas tout de suite. En règle générale, quand ils nous voient y approcher, voilà, ils attaquent direct. Qu'est-ce qu'on a? Ah, pas grand-chose, hein. C'est un peu la tristesse. On marque, hormis les quatre premiers. Ah, mais c'est ça! D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on leur prend? Le corrompu? Ah, bah non. Bah, juste, on leur prend un guerrier, non? Ah non, ça coûte 2250. Bon, les guerriers du chaos, c'est trop cher. Les déchus, c'est trop cher. Ça, on peut. 200. On peut prendre ça, hein, juste pour les harceler. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? On voit pas où notre argent là. Ou alors les chiens. Eux sont pas armurés, c'est eux qui... c'est eux en haut qui sont armurés. Juste pour les emmener, on prend eux, je pense. Pour voir. Ah ouais, mais ils vont nous attaquer de partout. Voilà, jouer la cavalerie dans des... Dans des ruelles aussi... Si ruelles, ça va être un moment délicat. Je pense. Alors, comment ils sont? Ils sont un peu là. Un peu là et un peu là. Donc ils vont attaquer sur trois fronts. Quel front on va décider de défendre? Là, on pourra pas tout défendre. Je pense qu'on va peut-être s'en mettre un ici. Et après, on va essayer de défendre tout par là. Voilà. Et ici, on va faire pareil. C'est-à-dire que... On va mettre les chars là. On va les mettre en mode escarmouche. Ouais, on va les mettre en mode escarmouche. Ça, ce sont les rabatteurs, ok. C'est ici où ils sont le plus nombreux, donc c'est ici que ce sera le plus sauvage. En termes de baston. Regardez les démonettes en DPS. Et là, on va les laisser progresser. Direct. Donc, ce point-là, il a une tour là-bas et une tour ici. Cette tour, elle tirera que là, de toute façon. Il a une tour là-bas et une tour là. Allez, c'est parti. Défense de mêlée moins 24, attaque en mêlée moins 24 et miasme. Oh, qu'est-ce que c'est qu'il envoie lui?
Des trucs dégoûtants, non? Ah oui, ça a l'air dégoûtant. Hein. Oh, ça a l'air de faire du dégât déjà. Allez, balance direct ce que tu peux. Allez, go. Il faut charger en boucle. Non, ça marche pas. Toi, tu tires un peu sur quelqu'un ou tu fais rien là? T'es séduit, mais t'es séduit comment? Que t'es séduit beaucoup ou t'es séduit pas trop? Moi j'aimerais bien que tu sois séduit beaucoup, hein. On a oublié les gargouilles! Viens là. Ah, c'est peut-être pas loin de l'arrêter, mais si, hein. Et d'aller les attraper, vous. Ils font rien, ceux-là. Ils font rien. Ah, ils sont passés, du coup. J'aspire un champion. Chopez-moi les chevaliers maraudeurs, vous. Ah, il me regarde, il me contourne gentiment. Alors, tire pas sur eux, je pense pas. Hein. Je pense que là, tu gâches les munitions. Tire là-haut plutôt. Recule-toi. On a perdu le char déjà? Non. Est-ce que les chars peuvent passer de l'autre côté? Non, hein. Les chars, on va les envoyer là plutôt. Allez, des monnettes, go! On va juste faire ça vite fait. Attendez, j'ai eu qui me gratte. Pause! Pousse, pousse! Mais non, monsieur, il n'y a pas de pouce qui tienne. Oui, j'ai bien vu. Tu seras rien toi. Je t'ai séduit mais honnêtement c'est une erreur je pense. Ah, il faut la faire parce que de toute façon plus on fera de dégâts et mieux ça marchera pour la suite. Allez, go. On peut faire ça peut-être, mais bon, là je pense qu'il vaut mieux privilégier les dégâts directs. Bon, bah là au moins il peut pas rater. Allez, charge-moi là-dedans. Ah, je les ai oubliés, je les oublie tout le temps, ces pauvres. Ah bah oui, quand même. Une petite charge. Allez, tu sors, et vous, vous allez arrêter vos bêtises. Et au boulot un peu. Ah non, ça suffit, hein. C'est qui fait rien. Ah, eux aussi, ils font rien. Bah, amenez-vous là. Allez, recule. Toi aussi, recule.
peut-être bien arriver à s'en sortir sur ce coin-là. Il faut vraiment plus d'amplitude hein, pour faire une charge vraiment intéressante. Mais le fait de manquer de place, c'est quand même un petit peu compliqué du coup. Voilà, ici c'est pas mal. Ah, le centre, on a perdu le centre. Je sais pas s'il n'y a pas plus de friendly fire qu'autre chose. On a perdu les chars, on a tout perdu. Attendez, attendez. Ouais, bah attaque ça là. Est-ce que tu peux tirer là par exemple toi? Ça veut dire quoi ça? Dans 6 minutes j'ai perdu? Allez, défoncez ça pour qu'il revienne pas. Allez, allez. On se dépêche. Est-ce que vous pouvez faire une petite charge là-dedans? Dans les déchus là. Une charge et on se retire. Voilà, ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment mauvais, hein. Vraiment déçu d'avoir, de les avoir séduits, ceux-là. Je me dis que vraiment, c'était pas le top, hein. Ah, ici ça fuit. On n'a plus personne ici. Dommage. Ah ouais, j'ai plein de points à dépenser que je ne dépense pas. Et de voir si on peut augmenter les dégâts. Ah, ils reviennent de l'autre côté du coup. Faites une charge là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Charge là. Ça arrive d'où cela? Très bien. Voilà, ça c'est pas mal. Ah, j'ai perdu tout. Oh, ils arrivent. Oh non, bon, tant pis. Oh, cette puissance. Oh, la puissance. C'est quand même pas beaucoup de dégâts, hein. 42 kills. Bon là c'est perdu. Ah, j'ai mal géré les tours. J'ai mal géré les tours. Combien de temps il reste? Il me reste 30 minutes. 30. Ah, on a récupéré ceux-là. Qui sont? Faites-nous une petite charge là-dedans. Allez, terminer cela. Hein. Allez, les aspirants pour vous. C'est bon ou c'est pas bon? Là-bas, c'est bon. Allez hop.
C'est bon. J'arrive par là. Toi, tire là. Toi, fonce là-dedans. On reste caché là. Allez, reviens là. Oh, viens ici aussi. Allez, allez. Vous vous occupez d'eux là. On va tout tenir avec une seule tour. Oh, on est des fous. Non, mais tire là, je t'ai dit. Là. Ça marche pas quand on demande de tirer? Allez, chargez-moi ça. Voilà. Reculez. Vous me finissez ça. Oh, ces dégâts qu'ils ont pris. Mais tire pas là! Tire là! Me fatigue, hein. Est-ce que tu as lancé ton petit sort? Oui. Oh là 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 là. Dégâts de ces tours. C'est de la folie, hein. Qui est-ce qui reste? Ah, il reste le héros après. Le seigneur. Allez, une petite charge là. Chargez-moi ça. Est-ce que ça fait du friendly fire les tours? Peut-être, hein. Même sûr. Si vous le savez, je veux bien la réponse. Allez, go! Il est où le héros? Oh, c'est la victoire! Alors, c'est beau, hein. Ah, quand ça fait ça, c'est beau, hein. 25 hommes ou plus. Et il en reste 3. Ah oui! Quand ça fait ça, c'est beau, hein. Oh, le pipi! Ouais, c'est vrai que j'ai mal utilisé les chars encore, hein. On prend du dévot. Oui, hein. On va prendre les dévots là pour construire le bâtiment. Caravane d'elfes noirs. Gracile se présente à votre porte, désireux de se joindre à votre cause après avoir ouï les rumeurs de votre cruauté légendaire. Ah oui. Honnêtement, ils sont bien trop délicats pour vous. Ah oui? Ils sont terriblement attrayants. D'accord. Relations diplomatiques plus 20 avec les factions de Slaanesh ou attaque armée les plus 6 contre les factions de Khorne. Ah oui, ça c'est. Un don de Slaanesh accordé. Et du coup, on lui a accordé quoi comme don? Vous avez accordé un don de Slaanesh à Exus du. Comme c'est charitable, les dévots vont affluer pour servir votre cause. Ah oui. Ah oui, donnez-moi des dévots. Et du coup, les dévots, on peut faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Coup de séduction, moins 10%. Plus 5 de dévots partout. Influence séductrice. Ah oui. D'accord. Plus 1 pour les cultistes. Très bien. Ah. Ah, une armée de disciples. Ouais. Ça c'est bien, mais est-ce qu'on va mettre 3 tours à arriver jusque-là? On peut, hein. Ça, le cultiste, on pourra peut-être le mettre dans une armée.
Ouais, avance. Qu'est-ce qu'on lui prend en plus? Eux sont très forts, mais du coup j'imagine qu'un anti-infanterie doit être fiable aussi, hein. Est-ce qu'on s'en prendrait pas un de plus? Ah, mais on a que 284. Alors, on a une frontline de 6. On va peut-être se prendre juste une des monnettes en plus. On a une frontline de 6. Un support à la frontline de 3. 4 cavaleries pour englober. Plus les gargouilles pour passer par-dessus. Ça me paraît être un bon plan. It's a good plan, my lord. Yes, I know. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, là, ça va pas être la même par contre. Hein. Ça va pas être la même du tout. Déjà, on n'a pas de cavalerie du tout. On n'a pas de cavalerie du tout. Bon, de toute façon, je pense qu'il faut la faire pour essayer de faire au maximum de dégâts. Pour ensuite reconquérir la ville facilement si jamais il y a problème, quoi. Je vais juste aller faire un petit pipi. Petite pause et à de suite. I was mortal once. A prince then. A prince now. The gods themselves court me to bear their mark. Revel in this coming slaughter! Ah, me revois Lou, ça va mieux. Alors comme après une vidange, il faut remplir. Bon ben, voilà. Donc on a dit ça, on l'a fait pour faire le plus de dégâts possible. Mais à mon avis, elle risque d'être plus courte que ce qu'on espère. Oh, regardez-moi ça. Oh, la calvitie de ouf qui arrive. Ah, j'ai un front. Mon Dieu. Alf m'avait promis une coiffeuse. Pas vu. J'ai pas vu. Alors, ils vont bien sûr attaquer sur plein de trucs. Donc je pense qu'on va choisir un point et on va défendre ce point à fond. Parce qu'ils vont être là et là-bas, c'est ça. Donc, on a ce point-là qui peut être pas mal puisqu'il a deux tours. Qu'il a deux tours. Voilà, est trop éloigné pour être utilisable. Ce point-là, il a trois tours. Il est peut-être mieux.
éventuellement mettre une tour. Ah ouais, on peut. Cette tour-là pour tirer des deux côtés. Donc on va plutôt se mettre ici et défendre ce point-là. On va tenter une nouvelle strat, hein. Je sais pas si ça sera efficace. Mais comme je connais pas bien les règles. Comme je ne connais pas bien les règles. On va essayer de voir si on peut pas. Bouger un tout peu. De celles-là, je pourrais les aligner quand ils seront sur le point. Ouais, ok. On va prendre ces deux-là. Les démonettes. Ici. Elle, ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. Maraudeur en renfort. Un autre maraudeur en renfort. Et tout le monde est là? Tout le monde est là, je vois que tout le monde est là. Très bien. Donc. Tire sur les guerriers. Oh, pour l'instant, ils sont un poil trop loin. Ouais, ça va être les volants, les pénibles. Hein. Donc 38. Pas grave, on va quand même essayer de lancer là-dessus. On va contrer les volants avec nos volants. Là, il y a des monnettes. Voilà, cette tour-là qui tire. On préférait qu'elle tire plutôt là-bas. Je sais pas si on peut... Je sais pas si on peut vraiment demander au tour de tirer sur une unité précise. Je pense que oui, j'espère que oui quand même. Je préfère l'envoyer plutôt là-bas parce que comme c'est une unité invoquée, de toute façon elle prend des dégâts. Là, elle est sous le feu des tours donc et la tour qui tire absolument où elle veut, hein. Ça c'est une catastrophe. Hein. Ça c'est une catastrophe, hein, ces tours là. Qui nous font Allez, les. Hop, les gargouilles, on va les mettre là. Dans 12 secondes. Allez, les démonettes également. Replacez-vous. Et eux, on va s'en servir vraiment plus pour. C'est bon? C'est bon. Allez, tire dans le tas. Aussi, tu peux tirer là, non? Pourquoi tu tires pas? Bon, allez, gargouille, on va juste s'en servir en harcèlement. Rien de bien. Voilà, c'est combien? C'est 600. Hein, ouais, 650 le prochain point. On va essayer d'être un peu plus méthodique concernant les tours. On va aller up dès qu'on peut. Et là, les renforts, ouais. Hop, 650. Le prochain point c'est 950, on se spot tout de suite. Allez, on va les reculer. Ah, j'ai dû le sentir. Allez, on refait un petit coup. Enfin, j'ai envie de dire peu importe sur qui. Ah, ils sont d'accord. Ils sont décédés de fatigue, les gargouilles. Ah, voler, c'est fatigant, bah oui, oui. On n'est pas compte. Allez, une unité ennemie qui fuit.
Mettez-vous plutôt comme ça. Là, ça devrait tenir, je pense. Et elle qui tire, on sait pas où. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas bien comment fonctionnent les tours, hein, parce que là, elle choisit de tirer là-bas alors que pour l'instant, le point de pression, il est plus là. Bon. Ouais, ils vont quand même essayer de nous couper les vivres en termes de ravitaillement. Si on peut passer au moins une tour niveau 3, ça peut... Ça va pas nous sauver la game, mais ça va nous aider quand même. Allez hop, un petit coup. Voilà. Pas trop trop mal. Cinquante, c'était le prochain palier. C'est plutôt celle-là d'ailleurs qu'on va augmenter. À 950 en premier, puisque je pense que c'est elle qui tirera le plus longtemps. Ce qui vient en double. Allez. Faites-moi un gros pack. Allez, viens là. Reviens ici. C'est bon, tu tires toi? Ouais. Ça tire. On va les bloquer comme ça. Ici, ça revient un petit peu, mais... On devrait arriver à les bloquer quand même. Ouais, ça revient. Allez, mets-toi comme ça. Et des monnettes. Oui, si, si, ça tourne, ça tire en cloche, donc ça peut quand même me poser la question, justement. Allez, viens bloquer là. Toi, tu bloques ici. Toi, tu vas bloquer cela. Pour l'instant, tu vas rester comme ça. Alors, toi, tu tires là, ça m'intéresse pas du tout. Tire là plutôt. Qui c'est qui... Voilà, on voit ça. Allez, chargez là-dedans. Toi aussi. On sait pas s'ils vont se reformer. Ah, il faudrait que je le recule un petit peu ma ligne juste. Au par là. Pour que la tour ait une meilleure angle de vue. Ce sera peut-être plus intéressant. Ouais. Au niveau de l'angle de tir. C'est mieux. Ils ont plus trop de gros régiments. Donc on va plutôt garder nos vents de magie pour l'instant. Ouais, je pense que la tour fait autant de bien que de mal. Hein. On va débuffer celui-ci là. Toi. C'est le moment. Avant que eux arrivent. Toi. C'est le moment de tirer sur eux. Ah, il y a encore les chiens. Hein. Non, c'est bon. Oh, elle est décédée, non!
Ah, j'arrive pas à sélectionner la tour! Attendez, je suis où? Ça a bugué là, non? Tire où? Tire là-bas! Allez, allez! On aura quand même bien tenu, hein. On aura quand même bien tenu. Ah, des. Eh oui, oui, mais non, mais elle serait pas décédée aussi vite. J'aurais pas dû l'approcher aussi près de l'œil vorace. Bon, et bien voilà. On arrive à notre petite. À la fin de notre petite deuxième heure de jeu. On va finir notre tour tranquillou. Ouais. Je suis assez déçu. Je pensais qu'on aurait pu faire mieux. Ouais, du coup, on leur a tellement fait mal qu'ils ont pas pris. Hein. Ah! Un traité de paix. Non, hein. En fait, tout ça, après, je le veux. C'est la prochaine province que je veux, celle-là. Donc, non. D'accord, très bien. Ok. Les elfes et les humains sont des êtres tellement vénaux. Ah oui. Facilement attirés par la promesse de la décadence. Tentez-les suffisamment et ils deviendront les jouets de Slaanesh. À quoi ? On va faire ça. On va les tenter. Ouais, on lui a quand même bien fait mal, hein. Levez une armée supplémentaire, super. Bah, de toute façon, faut faire ça déjà. Perte faible, ouais, je pense que c'est pas la peine de la jouer. Hein. Oui, voilà, on en a pas trop perdu. De la faveur des dévots. Combien on a de dévots? 279 dévots. On va prendre la faveur. Hein. Oh, on récupère notre étendard. Yes, don de Slaanesh. Prends ce don. Comment on fait pour recruter des lanceurs de sorts? Ça, c'est le culti. Les tentatrices. D'accord, c'est niveau 3. Dans deux tours, on a un surplus, on va pouvoir lancer la construction. Du coup, lui, il voulait la paix. Ah, mais je lui ai donné un don. Ah ouais. Prends ce don. Est-ce qu'on recrute un peu plus? Oh non, hein. Je pense qu'on est bien à 16. Hein. Peut-être les gargouilles. Après, pour l'instant, on n'affronte pas trop de factions de... Si, ben eux ont du tir. Quand on va leur entrer dans le concombre, ça va leur faire tout drôle. Deux unités plus 12. Ah, c'est la prochaine cible. Hein. On n'a pas de portée. On n'a pas de portée. Bon, ben voilà, écoutez, super. Et bien voilà, Twitch, un petit après-midi bien sympathique en votre compagnie. J'espère que ça vous a plu. Pardon, le petit rototo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, Everbus, c'était un réel plaisir de passer ce temps-là avec vous. N'oubliez pas, Total War Coliseum, votre seule chaîne francophone dédiée au Total War. C'était Bramro. Je vous dis pas la semaine prochaine, puisque semaine prochaine, je pourrai pas streamer, c'est une certitude. Mais sûrement semaine d'après, je pense, où là j'aurai un peu plus de temps, et ce sera un peu mieux pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit stream, je vous dis à très bientôt sur Total War Coliseum, c'était Bramro, bon après-midi!